Bonjour et bienvenue les Guiriens et vous qui passez par là. Merci de m'accueillir donc pour le tirage des énergies, canalisation, etc., etc. de la semaine du 10 au 16 mai 2021. Voilà, voilà. J'étais un petit peu absente. Je vous dirai pourquoi fin de vidéo si vous en avez envie. Comme ça, je n'ennuie personne. On y va. Alors aujourd'hui, je vais utiliser le Singular Magic Oracle de notre ami Nat, donc de la chaîne Angel Taina. Voilà, c'est un jeu. Voilà. C'est un oracle sorcière. Moi, j'adore. Donc, de toute façon, j'en ai beaucoup, mais celui-ci, il est vraiment génial. Donc, je vais l'utiliser pour faire les 13 cartes. On va voir ce que ça donne. D'habitude, je prends un tarot, hein, le normand, ou un petit le normand. On va voir ce que ça donne avec celui-ci. Il va s'exprimer, hein, il va s'exprimer. Un nouvel amour. Oh. Ah, il y a quelque chose ici. Alors, il est possible pour certaines personnes que vous ayez peut-être fait un rituel ou quelque chose et pour avoir un nouvel amour, pour que quelqu'un arrive dans votre vie, c'est possible. Donc, il est possible que cela se passe comme ça. En tout cas, ce sera quelque chose de magique de toute façon, quoi qu'il en soit. Voilà, voilà. L'amour pur. C'est juste... Je regarde toi-même si j'en ai pas laissé tomber par terre. On a ici la carte de l'énergie, qui est une bonne carte dans ce jeu. Allez, on y va, on coupe. C'est la première fois que je m'en sers, hein, donc. On y va. Vous pouvez aller voir la chaîne de mon amie Wendy, donc de la Window, donc tout le monde connaît, je pense. Elle se sert aussi de ce jeu. Je ne suis pas vraiment allée voir comment elle s'en sert pour ne pas être influencée, donc voilà, je m'en servirai et puis j'irai voir comment elle s'en sert. Voilà, vous pouvez aller sur sa chaîne aussi. C'est une belle personne et qui mérite aussi d'être connue, mais vous la connaissez probablement. Voilà. Qu'est-ce qui est tombé? L'abandon et les ancêtres. Pour certaines personnes, vous vous sentez seul, vous vous sentez, vous en voulez. Pour certaines personnes, vous en voulez à quelqu'un d'être parti. Vous en voulez à une personne décédée. Soit parce que cette personne vous a quitté, vous a laissé. Soit parce que cette personne ne vous a pas tout dit. Soit parce qu'il y a une personne qui vous a fait du mal, ou qui a fait du mal à votre famille. En tout cas, vous avez ici un sentiment de presque de trahison, mais c'est vraiment l'abandon. C'est vraiment, avec les ancêtres ici, c'est vraiment quelque chose de famille. Ou alors vous vous sentez abandonné par votre famille, ça se peut aussi. Ok, on y va. On frappe pour faire relever les mauvaises énergies. Je ne sais même plus si j'ai coupé ou pas. Bon. La fusion et l'abondance. Donc ici, nous allons effectivement avoir... Bah, écoutez, que du bonheur. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Oups. Elles sont tellement de bonne qualité, ces cartes, qu'elles glissent très fort. J'ai fait une petite présentation du jeu, donc... Vous pouvez aller voir. Donc, l'abondance et la fusion. La fusion et l'abondance. De l'abondance à profusion. Donc, voilà ce qui nous attend, ce qui vous attend cette semaine. Allez, on tire 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13. Ce jeu est toujours, va être réédité. Donc je mettrai les informations en barre d'infos. En même temps, je vous inviterai à aller peut-être sur la chaîne de Nat pour aller lui faire un petit coucou et voir un petit peu, si vous ne la connaissez pas, voir ce qu'elle propose. Elle a beaucoup de jeux aussi. Elle a beaucoup de jeux. Si moi j'en avais beaucoup. Enfin, elle a créé beaucoup de jeux. Et celui-ci, je l'aime particulièrement. Il y en a d'autres. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Bon. Or, ça peut être aussi des canalisations. Pour le moment, je n'ai pas été en forme. Aujourd'hui, ça va. Mais sinon, je n'ai pas été en forme hein, cette semaine. Mais là, ça va. On y va. Alors, on commence fort. On célèbre, les amis. Donc ici, il y a quelque chose de bon, quelque chose de nouveau. De nouveau, peut-être pas, mais il y a une concrétisation de quelque chose qui va se fêter. Alors, peu importe, ça peut être vraiment beaucoup de choses ici. J'ai aussi un ressenti de choses. Alors, ça peut être personnel pour vous, dans votre famille, dans votre vie, mais ça pourrait, à mon avis, aussi, je ne sais pas pourquoi, la célébration de quelque chose qui va arriver. Mais qui va arriver, c'est comme si on va célébrer... On va tous être contents. C'est pas le cas, mais c'est comme si on allait célébrer le nouvel an. Un truc comme ça. C'est comme si on allait tellement être contents qu'on va faire la fête, même si on est tout seul chez soi ou même si on n'est que deux. On va faire la fête parce qu'on est content de ce qui va arriver. Qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien du tout. Bon, ça peut être ça donc pour beaucoup de monde et c'est quelque chose qui va arriver. Une nouvelle information très très positive. Ça peut être ça. Ça peut aussi être la célébration de retrouvailles. On va pouvoir un nouvel amour, un nouveau job. On fête quelque chose. On fête quelque chose de magique quelque part. Quelque chose de magique, certainement quelque chose en quoi on ne croyait plus. On ne pensait plus du tout que ça allait arriver. Mais oui, ça va arriver. Si c'est le cas, si vous pensez à quelque chose que vous voulez vraiment que ça arrive, arrêtez d'y penser, tout simplement, et ça va arriver, ok? Voilà. Attente. Donc, il est possible, ici, qu'on va célébrer quelque chose parce que vous ne serez plus, du coup, dans l'attente. Vous serez dans la patience, vous allez patienter, mais pas attendre. Quand on attend quelque chose, on bloque tout. Ça bloque. On attend un coup de fil, on attend un SMS, on attend un mail, on attend des nouvelles de quelqu'un. On attend, justement, on voit quelqu'un tous les jours, justement, on doit lui demander quelque chose, et justement, on ne le voit plus. Il passe devant tous les jours devant la maison, justement, tous les jours, on va voir à l'heure à laquelle il passe, et on attend, et on attend, et ne vient pas. C'est normal, on attend. Quand on attend, on bloque tout. Donc voilà, et je pense ici que vous allez célébrer la fin de l'attente, donc vous avez peut-être, vous vous êtes changé les idées, peut-être, voilà, il y a vraiment la fin de l'attente de quelque chose que vous allez célébrer. Sexualem magicae. Donc, ici, nous avons la magie sexuelle. Alors, la magie sexuelle, ça veut dire beaucoup de choses. De sexe. Je vais vous laisser deviner. Mais en tout cas, c'est très positif et c'est très c'est très sexe. C'est plutôt sexe que aussi. En fait, ici, c'est plus le sexe que l'amour, d'accord? Donc peut-être qu'on attendait de faire l'amour avec quelqu'un. Et ouais, ça va se faire. Une attirance très très physique. Il y a peut-être de l'amour aussi, hein, attention, d'accord? Mais c'est quelque chose ici. En tout cas, c'est quelque chose de euh...
j'ai un truc ici. Peut-être que, évidemment, le jeu prête à parler comme ça, mais peut-être qu'il y a quelque chose, vous avez fait quelque chose pour justement attirer quelqu'un physiquement. Vous avez fait une potion magique pour l'attirer physiquement, pour que cette personne soit attirée par vous physiquement. En tout cas, ça va marcher. Est-ce bon, est-ce mal? Ça, je ne juge pas. D'ailleurs, je ne juge jamais. Mais ça va marcher. Et ça va être chaud. On a le piment là. Je vais vous la remontrer. Le petit piment. C'est bien fait. C'est juste, voilà, c'est magique. Qu'à de le dire. Ben voilà, on a encore la magie. Donc ici, je pense que... Alors, il est possible aussi que si ça ne vous parle pas, c'est normal, ce tirage général, il ne va pas parler à tout le monde, ne l'oubliez pas. Mais il y a, en tous les cas, je pense, beaucoup de magie du coup d'ici. Donc si vous pensez qu'on a fait un travail, ou si vous voulez faire un travail, ou si vous avez fait un travail, en tout cas... C'est quelque chose qui plane un petit peu dans l'air. Mais pour moi, jusque-là, c'est positif pour vous. J'ai perdu ma pince. C'est positif pour vous. C'est quelque chose de très bon, de très bien. L'attente, c'est la fin de l'attente, mais à mon avis, autant ça que rien, quoi. Autant rien que ça. C'est la fin de l'attente, c'est la fin de... c'est quelque chose... soit vous avez fait de la magie. Magie, c'est une manipulation des énergies. En tout cas, ça fonctionne. C'est positif jusque-là, d'accord? C'est positif. Carpe diem. Carpe diem. C'est juste... on nous dit juste de vivre l'instant présent. Que vous voulez de plus? On doit vivre l'instant présent. Donc, toute cette semaine, tout ce qui va se présenter à vous sera positif et sera. On vous demande de cueillir ce qu'il y aura à cueillir et de cueillir ce qu'il y aura à cueillir et de. 30 secondes. Deux secondes, je ne sais pas si vous me voyez ou pas, mais... Excusez-moi. Oh, j'espère que... Oh, oui. Donc ça a continué, ok. Voilà, j'ai dû enlever quelque chose. Donc, il y a vraiment cette semaine quelque chose que vous allez récolter, quelque chose à récolter, quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. Voilà. Ça va être qu'une semaine un peu magique, jusque-là, hein? Memento mori. Memento mori. Si vous connaissez la traduction, tant mieux. Si vous ne la connaissez pas, allez voir. Ça veut dire que... Non, c'est aussi une phrase qui nous dit de se souvenir qu'on va mourir. On doit se souvenir que de toute façon, tout le monde meurt un jour. C'est pas du tout nous dire tu vas mourir, mais je pense que c'est vraiment cette carte avec les autres nous dit profite du moment présent. Profite de tout ce qui se présente ici. C'est positif. Profites-en. Vraiment, il faut vraiment en profiter. On a beaucoup de cartes latines ici, donc pourtant il n'y en a pas tellement, tellement dans le jeu. En tout cas, voilà, c'est se souvenir que rien n'est éternel non plus, que ce soit nous, que ce soit peu importe. C'est vraiment à profiter. J'étais un petit peu distraite parce que j'ai vu quelque chose et ça m'embête un peu. Mais bon. Alors,
On a ici la sorcière. Que vous croyez ou pas en la sorcellerie, comme je vous dis, la sorcellerie, c'est la manipulation d'énergie. Donc, on fait travailler certaines choses grâce à certains ingrédients, par exemple, même avec la pensée, pour que ça arrive. On peut bloquer aussi des choses. Mais il est possible, alors ici jusque-là c'est très beau, donc tout est positif. Il est possible que dans votre entourage, il y ait pour moi ici dans ce cas-ci une certaine jalousie. Et quelqu'un qui pourrait essayer de faire tomber un petit peu tout ce qui vous arrive de positif, tout ce qui vous arrive de magique. Ou on va aller faire des démarches, quelqu'un de jaloux va aller faire des démarches parce qu'il n'accepte pas que vous ayez tout ce que vous avez. Par exemple. On va voir avec la carte suivante. J'ai les ancêtres. Ici, j'ai plutôt un ressenti de. C'est comme si vous allez faire quelque chose, vous allez être très bien, et puis quelqu'un va venir. C'est comme si on allait venir vous secouer en disant, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça ne se fait pas. Qu'est-ce qu'on va penser? Qu'est-ce qu'on va dire? J'ai l'impression que ça peut être ça. Donc, vous allez peut-être être tellement content de ce qui vous arrive que vous allez en parler à des personnes qui ne l'accepteront pas et qui seront vieux jeu, qui seront, voilà, et qui vont vous dire, mais mon Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de gâcher ta vie, tu es en train de te ridiculiser, tu es en train de nous ridiculiser la famille. Ou alors, on va vous mettre au pied du mur. On va vous dire, bon, tu veux faire ça, mais alors, on ne te connaît plus. Tu t'en vas. Voilà. Il y a quelqu'un qui va essayer, en tous les cas, que ce que vous allez vivre de beau s'arrête. Parce que, soit ça ne lui plaît pas, tout simplement, parce que ça ne se fait pas, parce que, voilà. Mais aussi parce que la personne est jalouse. Dites-vous bien que c'est peut-être parce que la personne est jalouse qu'elle veut que ça s'arrête, hein. Et ce n'est pas spécialement pour votre bien. Et pour les cancans, pour le candidat-on peut-être. Alors, ici, nous avons la carte de l'artiste. Donc, l'artiste, le plaisir. Encore le sexe ici. Il est possible que vous fassiez des choses que vous n'avez jamais fait avant. Réellement sauter de la garde-robe carrément, enfin, faire des choses comme ça. Donc, je pense qu'ici, pour certaines personnes en tous les cas, vous allez découvrir le sexe autrement. Il y a beaucoup de sexe hein, ici. Il y a beaucoup de sexe. Je ne sais pas quoi dire d'autre, mais voilà. Et alors, bon, l'artiste, évidemment, ça peut être. Le côté artistique de quelqu'un, de quelque chose. C'est le plaisir ici, mais c'est plutôt le plaisir sexuel, encore une fois. Donc, voilà. Veninum. Veninum. Il y a vraiment que ça. Que du bonheur. Alors, j'ai envie de dire c'est un tirage général, donc c'est possible que ce ne soit pas que du sexe, parce que c'est général. Si c'était pour vous, ce serait du sexe que pour vous si je faisais un tirage privé. Mais ici, c'est général. Donc, peut-être que ici, ce que nous parlons de sexe, pour vous, ça va être du sexe, pour quelqu'un d'autre, ça va être de l'amour, pour quelqu'un d'autre, ça va être une amitié extraordinaire. Mais il y a quelque chose de très, très, très positif qui arrive.
une réconciliation dans la famille qui ne va pas plaire à tout le monde. On va se décider de vivre de sa passion, ça ne va pas plaire à tout le monde. Parce que justement, peut-être qu'il va se passer aussi dans votre vie quelque chose qui va faire que vous allez comprendre que de toute façon, on ne vit qu'une fois. Et que si vous ne le faites pas maintenant, vous ne le ferez jamais. Voilà. Donc, vraiment, il faut... En tout cas, je ne suis pas là pour vous conseiller, mais j'ai quand même envie de vous dire que si vous tenez toujours compte de ce que les gens disent, ben vous ne ferez jamais rien. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont vous dire « vas-y, fais-le » et d'autres qui vont vous dire « mais non, ça ne se fait pas, qu'est-ce que tu fous, machin, bazar ». Donc, moi, je dis toujours « écoute ton cœur ». Écoute ton cœur. Et si tu te plantes, tu te plantes. Mais au moins, tu n'auras pas de regrets. Et vous allez certainement ici avoir, avec la carte Venenum ici, et les cartes que j'ai autour, peut-être la famille qui va être contre vous, du coup. Et c'est souvent comme ça. Hein. La famille, on l'a subi, les amis, on les choisit. Mais la famille pourrait être contre vous, pour le coup. Parce que vous voulez créer quelque chose, vous voulez avancer dans quelque chose qui ne leur plaît pas. Qu'est-ce qu'on va dire ? Et donc, on va peut-être dire des choses... On pourrait aussi dire des choses fausses sur vous, parce que vous allez peut-être vivre une histoire d'amour ou une histoire romantique ou une histoire, peu importe, avec quelqu'un qui va rendre vraiment très jaloux une autre personne, et son ex, par exemple. Et cet ex va venir dire des choses qui sont complètement fausses sur vous ou sur la personne avec qui vous êtes. De toute façon, on est toujours sali par plus sale que soi. À partir du moment où vous le savez, vous n'y ferez même plus attention. Nous avons la carte de l'automne. Donc, les choses, elles vont bouger. Les choses vont bouger. Et pour moi, ici, ça va être aussi une période. Alors, les cartes, en général, ça ne dit pas, parle pas de temps. Mais bon, moi, l'automne, les saisons, c'est toujours de 1 à 3 mois. De 0 à 3 mois, donc de maintenant à 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc quelque chose qui va se passer. Soit ça, soit quelque chose qui va se passer en automne, peut-être que vous allez avoir des... Vous êtes en train de mettre en place quelque chose qui va se passer en automne. Vous allez faire quelque chose ou qui va se terminer en automne, tout simplement. Voilà, vous allez... Il y a quelque chose qui va commencer ou qui va se terminer en automne. Ce sera quelque chose de votre choix à vous. Parce que je pense que vous n'allez pas tenir compte du choix de ce que l'on va vous dire. La médisance, de toute façon, il n'y en a pas tellement hein, de médisance. Peut-être la sorcière, une personne qui va essayer avec la magie de vous faire du tort. Mais si vous dites aujourd'hui, je ne suis pas, on ne peut pas m'atteindre, ben, on ne vous atteindra pas. Voilà. Il ne faut donner aucune importance à ce qu'on vous envoie, et vous ne serez jamais impacté. Et enfin, nous avons la lueur. Donc pour moi ici, on va mettre quelque chose à... Alors soit on va trouver une solution, soit on va mettre aux yeux de au-dessus de tout le monde quelque chose. En tout cas, on va prendre sa décision. Peut-être que la décision va se faire en automne. Ou qu'on attend l'automne pour pouvoir dire et faire ce que l'on a envie de faire. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont être dévoilées, des solutions qui vont être trouvées. Voilà. Je vais retourner l'amour pur. Ben voilà, encore une fois, l'amour pur. Donc ça parle vraiment d'amour, de sexe et un petit peu de jalousie. Mais pas tellement, pas tellement. Et vraiment, vous allez profiter de la vie. Et peut-être qu'il va y avoir un événement aussi qui va faire que, ou vous avez vécu quelque chose il y a peu de temps, ou quelque chose qui vous revient, ou une amie à vous, quelqu'un a vécu quelque chose de tragique, et vous vous dites, mais oui, mais la vie, mon Dieu, on est vite parti, donc on va en profiter. Et je n'écoute plus ce que l'on me dit de faire ou de ne pas faire, parce que les convenances veulent que ceci ou que cela... Donc, je fais ce qui me plaît, j'ai décidé, et ce sera comme ça. Et vous avez raison. Et de toute façon, ici, nous avons l'amour qui est en train, qui arrivera,
qui est en train d'arriver, qui est là. Et c'est de l'amour sincère. Même s'il y a du sexe, même s'il y a tout ce qu'on veut ici, ça va déboucher ou c'est déjà... Ça fait partie de l'amour. Voilà. Voilà les amis, pour les énergies générales de la semaine. Donc vraiment, pour moi, de très très belles cartes. Ne tenez pas compte de... des gens, ce qu'ils vous disent ou pas. Mutation. Mutatis. Mutatis. Transformation. Donc, il y a des choses qui vont effectivement changer. Voilà. C'est une très belle... célébration. Décidément, sexe. Ouais. Beaucoup de sexe cette semaine. Bon, allez. Voilà. Hop. Bon, ça, c'était pour les énergies générales. L'amour. Qu'est-ce que je prends pour l'amour? On va prendre le 77 de luxe. Oh oh. Par rapport à l'amour ici, bah, soit un coup de foudre, soit un désaccord. Des disputes, des conflits, ou un coup de foudre. Voilà. Faire un petit tirage. Un tirage. Alors ici, les amis, vous allez vraiment vers la lumière. Il y a quelque chose de beau ici pour vous. Et vous allez vraiment vous... Si vous vous sentez perdu, c'est marrant parce qu'on a vraiment le labyrinthe. Là, vous vous sentez perdu. Et là, on a la lumière. Mais on a la lumière avant. Donc, il est possible que vous ayez vécu quelque chose de beau. Mais qu'il se passe quelque chose et vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas ce qui se passe pour certaines personnes. Vous êtes dans une situation où vous vous sentez perdu. Vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Est-ce que je dois attendre? Est-ce que je dois avancer? Est-ce que je dois reculer? Pourtant, c'était bien. Donc, il s'est passé quelque chose... Il s'est passé quelque chose qui a fait que l'autre ne vous donne plus de nouvelles, l'autre est parti. Plutôt, à mon avis, c'est souvent les hommes qui s'en vont sans donner d'explications. C'est souvent les hommes. Moi, j'ai mes interprétations propres avec le 77, puisque je l'utilise vraiment... D'ailleurs, je crois que j'étais la première à l'utiliser vraiment. Donc, j'ai vraiment une particularité avec le 77. Ici, nous avons un amour. Donc, je les interprète à ma manière. Un amour qui se reconstruit, qui se construit. Un amour qui se construit. Pour certaines personnes, vous êtes complètement perdu parce que ça allait très bien. Vous ne savez plus où vous en êtes. Et vous allez vous reconstruire. Vous allez, pour moi, il y a effectivement un nouvel amour. Il y a une protection aussi, peut-être quelqu'un qui vous protège. J'ai l'homme ici. L'homme, ça peut être vous, ça peut être un autre homme, ça peut être une femme, c'est un tirage général, donc n'oublions pas, ça peut être deux femmes.
Effectivement. Ah, j'ai une addiction ici. Quelqu'un. Ah, il y a eu un problème par rapport à une addiction. Donc, vous étiez bien. Qu'est-ce qui n'a plus? Vous êtes dans le flou. Vous ne savez pas ce qui arrive. En fait, c'est simplement soit parce que vous lui avez pompé l'air et que vous en avez voulu trop, et donc vous étiez devenu quelqu'un de chiant, de collant, en fait, il était content ou elle était contente de s'éloigner de vous parce que vous lui prenez la tête, parce que voilà. Et la personne ne vous donne plus de nouvelles parce que de toute façon, elle ne saura pas quoi vous dire. De toute façon, vous êtes comme ça. Et puis, elle veut plus, elle en a marre, cette personne, de devoir vous répondre, de devoir s'investir déjà maintenant. Alors que oui, la personne se serait investie. Mais là, vous lui en demandez trop tout de suite et elle a pris peur, elle est partie. Donc, il faut lâcher du lest. Ok? Comme d'habitude, je dis les chiffres, la 14, 77, 61, je vais peut-être vous les montrer, parce qu'il y en a quelques différentes en fait. Attention. Vous sentez un peu, pour certaines personnes, en manque. Vous êtes en manque de. Alors, tout à l'heure, j'ai eu la seringue, donc on peut être en manque réellement de drogue, en manque ça me parlera d'une addiction. Ok? Voilà, il y a peut-être un problème à ce niveau-là. Bon, ceci dit, pour les amoureux ici, alors, pour l'amour en général, communication, on va trouver des moyens de communication. Le consultant, ça c'est vous. Vous allez recevoir ou donner, mais moi je pense que vous allez recevoir des nouvelles de la personne de votre cœur. Alors, ce seront des nouvelles qui vont vous faire plaisir. Ce seront de bonnes nouvelles, d'accord? Ça va vous faire plaisir. Ici, en plus, on a le coffre, en plus, on a la clé, on a ici la carte de la solution, de la chance plutôt, de la chance. Donc ici, vous allez découvrir quelque chose qui va vraiment vous porter chance. Vraiment. On est vraiment dans le sexe aussi ici, pour moi. Alors ici, cette carte-là, ça va nous, c'est la femme qui vous intéresse. Donc vous êtes le consultant, c'est la femme qui vous intéresse. Alors si c'est pas une femme qui vous intéresse et que c'est un homme, on va dire c'est l'homme qui vous intéresse. C'est un tirage général. Hein. Donc voilà. Donc ici. Que ce soit pour les triangulaires, pour les célibataires, pour les amours normaux, les personnes en situation dite normale, où tout se passe bien, enfin voilà, voilà, selon votre situation amoureuse, vous allez découvrir certaines choses. Alors, ce que vous allez découvrir ici, ce sera positif, pour une fois. Donc, vous allez avoir des solutions. On va répondre à certaines de vos questions. Vous allez avoir des solutions. Vous allez avoir un éclairage sur quelque chose. On va vous éclairer sur quelque chose.
On va vous donner la solution. On va vous, oui, tout simplement. On va peut-être vous aider aussi à voir clair. Peut-être que vous doutez de quelque chose ou vous voulez absolument savoir quelque chose. Vous allez le savoir. Vous allez le savoir et ce sera quelque chose de très positif. Parfois, j'ai des chèvres qui sont naines à côté de chez moi. Et parfois, elles passent leur tête et elles ne savent plus retirer leur tête. Non, elles ne crient pas comme ça. Quand c'est comme ça, elles crient fort. Oui, je vais juste ouvrir à mon chien. Bon, vous allez avoir des solutions, vous allez avoir des réponses à vos questions, vous allez trouver non, si, la personne de votre cœur va vous, la personne, oui, que vous aimez, vous allez avoir des réponses, vous allez avoir vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Cette personne pourrait éventuellement venir vers vous. On va aussi trouver peut-être la solution comment se voir. Comment se voir, comment pouvoir autrement se parler, mais enfin, se voir en vrai et pas seulement des échanges. Des échanges par téléphone ou peu importe. Mais vous voulez. Ça, ce sont les moyens de communication. Donc, vous allez trouver des moyens de communication. Parce que vous voulez voir la personne de votre cœur. Voilà. Si vous n'avez personne dans votre cœur, il est possible que vous allez la rencontrer. Parce que. Mais alors, ce sera lors d'échanges. Vous allez échanger et donc lors de ces échanges, vous allez connaître quelqu'un, la personne vraiment de vos rêves. S'il y a vraiment quelque chose qui va s'ouvrir. En tout cas, c'est très très positif, hein, que ce soit les triangulaires, vous allez avoir une réponse positive. Vous allez avoir des solutions positives. Vous allez avoir. Enfin, on va vous donner. Enfin, ça, c'est très positif. Ce que vous désirez, j'ai envie de dire, ce que vous désirez est en train d'arriver. Sais pas, on, ce qui se passe, moi, mais. C'est la sexualité. La sexualité épanouie, la relation sexuelle, le sexe, voilà. Ah mais non, je l'avais déjà enlevé moi la carte, le dos comme quoi il fallait que l'enlève aussi, que je la bouge, que je la prenne aussi. Voilà, donc on a vraiment beaucoup de sexe, encore une fois, donc on a du sexe et du sexe, hein. On a beaucoup de sexe. Bon, ça va pas parler à tout le monde, ça c'est certain, mais en tous les cas, c'est quelque chose. Alors, une réussite. Écoutez, je ne sais pas quoi dire parce que tout est bon. C'est une élévation, c'est la réussite, c'est la réponse positive à ce que l'on attend. On a le consultant, on a la personne qui l'intéresse, on a du sexe, on a ici le fait de se sentir perdu, de se sentir abandonné. Mais vous devez maintenant savoir pourquoi. C'est parce que vous avez trop pris, à mon avis, vous avez trop pris la tête de la personne. Vous lui avez fait peur, vous avez dit quelque chose, demandé des choses qui sont trop rapides, quelque chose qui ne saurait pas vous donner maintenant, vous lui demandez tout le temps, vous êtes chiant ou chiante, c'est souvent les femmes qui sont chiantes, souvent. Parce que la femme, les hommes et les femmes, même s'ils veulent la même chose, mais ils sont très différents à la base. Donc si déjà on sort avec quelqu'un qu'après une semaine, on lui dit, moi je veux faire ma vie avec toi, je veux un enfant,
il est possible que même si lui, il veut le faire aussi avec vous, mais ben, qu'il va peut-être partir en courant parce que ouf, ça va trop vite là. Ça va beaucoup trop vite. Vous voyez? Donc, il faut quand même, voilà, laisser le temps au temps, n'effrayez pas la personne, trouver le bon moment, et puis voyez aussi, voilà, les choses, elles se font naturellement. Mais ça, je suis sûre que 9 fois sur 10, dans une nouvelle relation, je veux que tu sois un père pour mes enfants, j'ai trouvé, je sais que tu seras un bon père pour mes enfants, ben, ça va être effrayant peut-être pour la personne. Voilà. Arrête, ça ne se fait pas devant tout le monde, dis donc. Élévation, je ne sais pas quoi vous dire, mais je cherche du négatif et j'en trouve pas. Donc, pour les célibataires, coup de fil, rencontre, si vous êtes ouverte, hein, ouvert à cette rencontre, oui. Trouvez la solution, on va vous faire rencontrer quelqu'un. Vous allez aller quelque part et vous allez voir quelqu'un. Vraiment, vraiment. C'est comme si vous alliez gagner au jeu. C'est comme si vous alliez gagner au jeu. Ce que vous voulez, ça vous arrive, vraiment. C'est la chance ici. Vous êtes dans une semaine de chance terrible. Mais peut-être aussi que vous allez retrouver quelque chose dans votre situation amoureuse. Peut-être que vous allez allez voir, peut-être vous cherchez des papiers, vous allez les retrouver. Vous cherchez quelque chose d'être très important pour pouvoir avancer, donc des papiers de divorce, des papiers, je ne sais pas, des documents qu'il vous faut absolument pour pouvoir partir en voyage, c'est vraiment pas le moment encore, mais enfin voilà, je ne sais pas. Il vous faut trouver votre visage. En tout cas, vous allez retrouver quelque chose que vous aviez perdu. Vous allez avoir des. Peut-être que vous allez trouver des papiers, vous ne vous attendiez pas du tout à trouver ces papiers-là. Donc vous allez avoir de nouvelles connaissances, mais ce ne sera pas du négatif. On a la chance ici, parce que pour moi ici, celui-là, ce n'est pas la carte de l'élévation, mais pour moi ici, c'est la carte de l'élévation. Ça, c'est toujours comme en moi, sinon c'est la carte de l'attente, mais ici, pour moi, c'est la carte de l'élévation. Donc on va s'élever, on va. Que du bonheur, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Voilà. Les célibataires ne seront plus célibataires, les triangulaires seront triangulaires si elles le désirent encore, ne le seront plus si elles ne le désirent plus. Si elles veulent rester avec leur mari ou leur femme, ça se fera. S'ils veulent se séparer, ça se fera aussi. Donc voilà, c'est ce que vous voulez est en train d'arriver. C'est un tirage général, il ne va pas parler à tout le monde. Hein. Mais en tous les cas, voilà. Réfléchissez quand même parce que ce que vous voulez aujourd'hui qui pourrait arriver, peut-être que ce n'est pas vraiment ça que vous auriez voulu sur du long terme. Hein. Attention. Vous voulez vraiment à 1000% ça aujourd'hui, vous êtes sûr que vous voulez ça, mais après, il ne faut pas avoir de regrets parce que vous ne saurez certainement pas revenir en arrière. D'accord? Donc moi j'ai envie de vous dire réfléchissez quand même. Ben bon, ici tout va pour vous dans le sens où vous voulez que ça aille. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Je ne saurais rien dire de plus. Donc c'est parfait, celle-ci. Donc celle-là, c'était le manque. Donc si vous avez, si vous sentez un manque, ben c'est que ça va se résoudre ou c'est que vous avez exagéré dans quelque chose et la personne vous a fui. Vous êtes en manque parce que vous êtes célibataire depuis très longtemps. Peut-être remettez-vous en question. Pourquoi est-ce que moi j'arrive pas à trouver quelqu'un alors que les autres ils arrivent à trouver quelqu'un? Remettez-vous en question peut-être. Il faut toujours pouvoir se remettre en question. Quelqu'un qui ne se remet plus en question, c'est quelqu'un qui n'avance plus dans la vie. Ok, bon bah écoutez, on a tout fait. On fait le oui ou le non avec un petit le normand parce que j'ai pas de pendule ici. Et qu'est-ce que je vais prendre comme petit Lenormand? Allez, on va prendre celui-ci. Bizarre Lenormand. Et on y va, oui ou non? Donc posez votre question.
On va le faire deux fois. Question fermée, question qui demande un oui ou un non. Donc, vais-je, va-t-il, etc., etc. Et on va vous dire oui ou non. Et on y va, les amis, pour votre question. Est-ce que j'en pose une aussi? Allez, on y va. Je coupe. Donc, l'anneau, c'est oui. La croix, c'est non. On a le cercueil et on a la lune. Ni oui, ni non. On y va. Je remélange d'ailleurs. Voilà. 13 cartes. Une. Deux. C'est oui. Attendez, parce que je disparais. Voilà, c'est oui, nous avons l'anneau, les amis. Voilà, voilà. Eh bien, on va le refaire une fois avec un autre petit Lenormand. On prend celui-ci qui est, je ne sais plus comment il s'appelle, le Malpertuis. Alors, je crois que j'avais fait. C'est impossible d'ouvrir cette boîte. Le Malpertuis. Allez, posez votre question, oui ou non. On a ici les souris. On a les oiseaux. Non, pas les oiseaux. Les pistolets, la lettre. Je sais plus. Enfin, on s'en fout, de toute façon, c'est ni oui ni non. C'est des essais fort anciens, donc c'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup utilisé depuis que je l'ai. C'est le Silson Lenormand. Allez, vous avez posé votre question, oui ou non, on fait l'anneau, oui, la croix, non, et nous avons le mont et l'ours, donc non. Blocage financier. Non, il y a des déblocages financiers aussi pour vous. Allez. 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Mais je suis conne, hein ! Il m'en faut 13. De toute façon, c'est pas sorti. 13, donc on s'en fout, les autres sont... Voilà. Puis alors, il faut que je trouve l'anneau. Alors... je continue. Cigogne. Voilà, on a l'anneau. Je vais quand même regarder que la croix ne soit pas passée. Parce que... Donc, on a l'anneau, ça c'est oui. Si la croix est là. Parce que je crois que non, la croix est là, donc c'est parfait. C'est oui aussi, si c'est parfait, si c'est ce que vous vouliez. Voilà, les amis, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une belle journée et une belle semaine surtout. Voilà. Alors, c'est terminé et je vous laisse partir si vous en avez envie. Pour le reste, je vais fermer la porte parce que il fait froid. Donc demain, on annonce beaucoup de degrés, mais aujourd'hui, il fait froid. Donc, et le chat est rentré et les biquettes, elles ne crient plus. Donc, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'étais très fatiguée déjà, donc je voulais prendre un peu de repos dans les vidéos, je voulais lever le pied, parce que les vidéos, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Mais ce qu'il y a eu aussi, vous savez que je partage avec vous beaucoup de choses, donc voilà. J'ai eu un gros problème avec mon petit sushi, et le 1er mai, en fait depuis mercredi passé, il a été détartré, je suis restée, il n'y a pas eu de problème à ce moment-là, du tout, il n'y a rien qui s'est passé, je suis restée en même temps avec lui, donc vraiment, il n'y a pas eu de problème, mais quand il s'est réveillé, il s'était plus, il ne marchait plus du tout, soit, donc, mais il avait déjà des problèmes de dos, je le soignais déjà depuis 3 semaines pour des problèmes de dos, et donc...
je suis allée du coup aux urgences, à la clinique vétérinaire, universitaire. Je suis allée aux urgences le premier. J'avais vu ma vétérinaire, évidemment, je l'avais vu plusieurs fois, d'autant plus qu'on a fait leur vaccin. Donc, et là, j'avais des cachets, et puis les cachets n'étaient pas fourrassés, donc. Enfin, les cachets n'étaient pas froissés. Si, ça allait. Mais à partir du moment où il s'est fait détartrer mercredi, ça n'allait plus, il ne tenait plus debout. Il tombait, il était tout de travers. On aurait dit le bossu de Notre-Dame sans jambes. Donc, il était... il savait plus tenir debout. Tais-toi ! Et il titubait. Enfin, voilà, ça n'allait pas du tout. Donc, je suis allée le 1er mai... aux urgences. Là, on m'a dit c'était probablement une hernie cervicale parce que les quatre membres n'allaient plus. Ils bougeaient encore, mais ils n'étaient pas paralysés complètement. Sinon, on l'aurait opéré directement. Il faut choisir aussi, parce que dans la vie, parfois, il y a des choix difficiles à faire pour ça, mais aussi financiers. Alors, je vous dis ça comme ça. Voilà, je ne me plains pas du tout. Et donc, je suis retournée des urgences le lundi avec des médicaments beaucoup plus puissants. Et je suis restée donc samedi, dimanche avec lui. C'était pas possible. Lundi, j'ai téléphoné à ma vétérinaire pour qu'elle vienne pour le faire partir. Et elle m'a dit non, va faire le scanner, on verra. Et alors, je suis allée, parce qu'elle me connaît. Bon, voilà. Et donc, je suis allée faire le scanner. En effet, il a une hernie cervicale. Et on l'a opéré hier. Donc hier, c'était mercredi. Ça s'est bien passé. On m'a téléphoné, ils sont super bien. Franchement, ils sont vraiment bien là-bas. Donc on m'a téléphoné encore ce matin pour me dire que ça allait bien. Petit problème aux pattes arrière, on verra. Mais c'est normal, paraît-il, c'est normal. L'évolution normale. Et puis, je peux le reprendre demain. Et demain, il a justement, c'est son anniversaire, donc je vais le rechercher demain, vendredi soir, fin de journée, puisque les sorties se font fin de journée. Donc voilà, je vais le rechercher, mais je ne l'ai plus vu depuis lundi. C'est très 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 dur, très 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 dur. Et voilà, donc ça devrait bien se passer. Ce qui se passe là maintenant, c'est normal, donc voilà. C'est pour ça que j'étais très peu présente. Je n'aurais pas pu, ce n'était pas possible. Tout simplement. Maintenant, ça va. J'ai eu de bonnes nouvelles. Donc, je suis super contente. Et puis, demain, il sera de nouveau avec nous. Et puis, voilà. Et voilà, c'est tout. c'est pour ça que j'étais moins présente. Je vous fais des bisous. Je vous remercie parce que je sais que vous allez avoir des pensées. Je ne saurais pas répondre à tout le monde. Ce n'est pas possible. Parce que là, je suis bien, mais je vous assure, j'ai pas été bien du tout. Pour ceux qui ont des animaux, vous comprendrez. Il y en a qui ne comprendront pas, mais ça, tant pis. Voilà, je voulais vous le dire, parce que vous savez qu'on partage beaucoup de choses ensemble. Et puis, maintenant que ça s'est bien passé, tant mieux. Voilà, ce sont des bonnes nouvelles. Donc, j'espère que la prochaine vidéo, peut-être, il sera... Bah oui. Il sera, en tout cas, il sera là. Voilà, gros bisous, belle semaine à vous, et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.